Coucou tout le monde, on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va ouvrir le calendrier de l'Avent de Sylvie. Ça va Ah mais c'est bon, la journée. Et il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur là. C'est plus possible. Alors aujourd'hui, donc hier j'ai... Donc hier, j'ai reçu le calendrier de l'Avent de la part de Sylvie. Alors regardez la magnifique boîte qu'elle nous a mis. Voilà. Après je la pique. Et dedans, en fait, c'est rempli de plein de petits cadeaux. Là, j'ai tout mis de 1 au 7. Voilà. En fait, comment vous dire, c'est l'échange que je fais. Donc, Sylvie, elle a reçu mon calendrier casse-noisette. Voilà. Blablabla, on l'ouvre. Attends, il y avait une carte. Alors, Sylvie, faut que je te montre un truc. Non, c'est pas moi, c'est maman. Regarde. C'est maman. Donc Léane, elle était tellement impatiente d'ouvrir que elle a arraché l'enveloppe, mais littéralement arraché. Ah puis il y avait le sac casse-noisette. Et bah il est par terre. Attention ta tête. Et en fait. Je rejette. Voilà. Et en cadeau, il y avait ce magnifique sac cadeau aussi casse-noisette. Ouais, elle va juste... garder. Ah bah bien sûr. Hein. Oh, j'ai envie de le déchiqueter. Tu déchiquetes rien du tout. Donnez-moi un ciseau. Je vais te faire... Alors, il y avait cette magnifique carte. Regardez comme elle est juste. Que j'ai failli déchirer. Non, t'as déchiré l'enveloppe. Non, mais j'ai failli. Alors, je vais lire la carte. Coucou Roxane, je te souhaite de joyeuses fêtes ainsi qu'à ta petite famille. Je te remercie encore pour ta patience et comme je te l'ai dit, j'attends que tu aies reçu mon envoi pour ouvrir le mien aussi. Nous serons synchro. J'espère que cela te plaira et que tu ne seras pas déçue. Gros bisous, Sylvie. Alors, bah, tu pourras lui dire que tu as ouvert aujourd'hui. Voilà, mais en fait, comme je te l'avais dit, tu pouvais ouvrir, il n'y avait aucun souci. Et puis pour l'attente, franchement, c'est pas grave du tout. C'est des choses qui arrivent et crois-moi, en ce moment, moi aussi, je suis à la bourre. Oh, mais les voisins, arrêtez de taper. Oh, mais c'est les enfants, Léane, ça suffit. Bon, enfin bref, donc voilà, donc Sylvie, mais rassure-toi, c'était pas bien grave pour le retard parce que franchement, moi aussi j'avais pas mal de retard dans mes envois et je sais ce que c'est en ce moment. Ne t'inquiète pas du tout, comme je te l'ai dit plus d'une fois. On peut ouvrir ? Alors, bah, je vais. Alors là, en fait, cette vidéo-là sera vraiment consacrée que au calendrier de Sylvie. Donc là, vous l'aurez le matin et le soir, on repartira sur. L'ouverture des calendriers normaux. Donc voilà. Donc c'est toutes des pochettes comme ça. Elles sont juste magnifiquement décorées. Et derrière, il y a des... Des cachets de cire. Franchement, Sylvie... Merci. Ils sont magnifiques, tes pochettes. Non, en fait, il faut que tu tires sur le cachet de cire. Voilà. Donc on peut les récupérer. Donc là, le cachet de cire, en fait, c'est une magnifique plume. Yep. Yep. C'est bon? Yep. Ah non, j'avais pas vu. Alors, franchement, mais toutes tes petites pochettes, là. Oh! L'orange. Alors, de l'orange séché pour les mettre sur les couvertures d'albums si et tout. On va en faire, hein, on en va. Bah oui, on va pouvoir en faire. C'est super. Franchement, enfin, moi... Léane. Pardon. Moi j'adore quand j'aime faire une couverture d'album avec de la cannelle, de la badiane et tout ça. Tout des bidules. Ouais, et là les oranges séchées c'est top. J'ai pas encore eu le temps d'en faire. Donc ça. On en a à la maison. Ça c'est génial. Merci tout plein. Alors, numéro 2, ma petite dame. Je crois. Non, c'est 2-3 sur le truc. Alors, numéro 2. Regardez-moi. Il y a le cachet de cire, il est parti, donc on ne sait pas le sel. Bah en fait, il doit être dans la boîte. Excuse me. Ah bah il est là. Ah bah voilà. Là où j'ai pris un pif. Hein. Ah bah c'est encore une plume. Bah, je crois que c'est que des plumes. Et j'adore les... Ah, non. Oh, il est beau celui-là. En fait, sur toutes les ficelles, il y a des petits grelots. C'est génial. T'as mis où le cachet de cire? Je l'ai mis là. Dans la collection. Alors, oh. C'est quoi? C'est un trombone altéré en vintage. Il est magnifique. C'est quoi un trombone? Je sais pas quoi. Bah, tu vois, c'est un trombone et il est décoré. Il est superbe avec, je vous montre,
avec un cadre, des petites fleurs. Franchement, c'est magnifique, Sylvie. Oh, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Au 3. J'adore, j'adore. Le 3, il est comme ça. Mmh. Et derrière le cachetier, il est comme ça. Il est là, le... Ah. Il est magnifique. Franchement, t'as des superbes cachetiers. Hein. C'est un village enneigé. C'est super. C'est super joli. Non. Oh. J'adore. C'est des embellissements en métal. Cintre. C'est des cintres. C'est rigolo. On pourra mettre une robe que tu as fait en papier dessus. Ah oui, c'est une idée. C'est une idée. Le 4, il est beau. Ça, c'est top. Oh, mais il est encore plus beau, lui. Ah, il est encore plus beau. Déjà quasi. Oh, c'est un reine de... c'est un reine de Noël. Et un bonhomme de neige devant. Oui, il est parti vite. En fait, il part tous vite. Et c'est écrit le 23 décembre, Pôle Nord. Là, il n'y a pas de clochette. Non. Pourquoi? Ah, c'est du washi. Alors, c'est du washi. Alors là, on a du washi avec des notes de musique. On a ouvert le premier, peut-être. Il n'y a aussi pas de cachetière. Et celui-là, oh, c'est beau, c'est romantique. Avec des vélos. Là, je vois un carrosse avec des chevaux. Oh, ils sont superbes. J'adore. Alors, excusez-moi, j'ai pris un cachet de tir par terre. Non, pas par terre, dans la boîte. Donc, numéro 5. Et il y avait un cas... En fait, il y en a qui sont tombés. Donc, il y en a dans la boîte où j'en récupère. Donc là, c'est le village enneigé comme on a eu avant. Mais en doré. T'as dû prendre... Alors, je sais pas si c'est toi qui as fait toutes les pochettes. Mais en tout cas, tu as pris un temps de fou à les décorer. Et c'est super joli, quoi. Ça me fait beau. Ok. Quelque chose de fait. Il y a encore un truc. Oh. Alors là, c'est des... Elle a fait des embellissements en relief. Ils sont super jolis. Et là, oh, t'as vu les on a la fille. Dans le fond. Oui, j'ai vu. Il y avait même de la fausse neige. C'est super joli. Oh, regarde. Pour faire les cartes, là, c'est top. Oh, j'adore. Numéro 6. Reine. Il a sorti, j'ai pris le reine. Ah ouais. Hop. Je comprends jamais comment on glousse ça. Mais tu tournes autour des rondelles. Oui, mais quand, comment? Ah, t'as perdu la clochette. Mince. Alors, donc là, nous avons des embellissements. Alors, le thème de la mer et des petites fleurs. Ça, c'est top. Franchement, c'est vraiment super joli. Encore merci beaucoup, Sylvie. C'est magnifique toujours. Oh. Oh. Donc, ah bah oui, il est là. Ah bah voilà. Oh, mais c'est lui. C'est lui. Mmh. Alors numéro 7, c'est un sapin. Et c'est quoi le dessin? C'est la... des montagnes. On ah dirait... c'est le village enneigé en on fait. On dirait le tampon de Harry Potter. Mmh. Gryffondor, c'est les mêmes couleurs. Ah oui, c'est vrai. En fait, Léane, elle enchaîne parce qu'elle a plutôt hâte d'ouvrir le 8. Le mien. Parce qu'Aurore, c'est... gros. Si je vous montre... Non, bah, après mais, non, mais j'ai envie d'ouvrir. Oui, bon, on va ouvrir après. On va faire une... C'est quoi? J'ai eu un bug 3 secondes. Eh ben, c'est un lot de perles. Mmh. Ah. Pas compris. Alors là, on a un lot de perles couleur orange. Puis vu que la poussinette est en plein dans les bijoux et tout... Alors, je
Elle va se régaler. Je préviens, je vous montre tous les cachetiers qu'on a eu aujourd'hui. Bah oui, parce qu'on a ouvert beaucoup de caisses d'un coup, on a rattrapé notre retard. Donc voilà, donc Sylvie, encore merci beaucoup pour ce magnifique calendrier. Toutes tes pochettes, mais elles sont vraiment décorées. Perfect. Ouais, franchement, c'est juste super. On va bien les mettre de côté, hein, ça peut servir. Tiens, l'année prochaine, tu sais quoi, je te fais ton calendrier comme ça. Je le recycle. Donc, la dernière. Ouais. Donc, du fond du cœur, merci beaucoup. Sylvie, c'est top. Et puis, tu nous as beaucoup gâtés, là. Il y a vraiment des belles choses et tout. C'est vraiment génial. Franchement, merci. Merci du fond du cœur, voilà. Merci, c'est pas pour moi. Bah, tu vas prendre les perles, peut-être. Oui. Tu vas t'en servir. Oui. Parce que vu que tu pioches n'importe où, voilà, Léane, elle s'en fiche un peu. Elle pioche dans le matériel, comme ça, pom pom pom, voilà. Elle fait sa vie, quoi. C'est un peu vrai, je raconte pas de bêtises. Bon allez, on vous fait des gros bisous. Donc on vous souhaite une excellente journée. Oui. On vous dit rendez-vous ce soir pour l'ouverture du jour 8. Oui. Non. Si. Si, c'est ça. Demain on est le 9. Oui, demain on est le 9, vu qu'on parce a toujours qu'il un y a jour. Le marché de Noël, hein, je sais. Ah oui, demain il y a le marché de Noël de l'école. De poussinette. Hein. De poussinette. Je vais chanter. Donc voilà, donc demain il y a encore une longue journée qui nous attend. Voilà, donc on vous fait des gros bisous, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit bah à ce soir pour l'ouverture du jour 8. Bisous.